Bienvenue à tous et à toutes, donc dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui, le lac de feu est-il réel? Alors c'est la question que nous allons examiner aujourd'hui ensemble, avec bien sûr toujours le livre que nous connaissons qui s'appelle la Bible, forcément, parce que c'est le livre de référence pour voir les choses spirituelles. Donc nous devons nous fier aux choses qui sont écrites et non à nos propres arguments ou autre chose. Donc nous allons voir une chose qui est très importante en premier lieu, c'est que nous sommes revêtis, comme j'avais partagé dans l'autre vidéo, d'un corps de chair. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce corps? Au bout d'un moment, il vieillit, voilà, et ça se dégrade, et forcément, eh ben, on va dans ce lieu, donc on va maintenant parler ensemble. Donc, il s'appelle le séjour des morts. Donc, il est écrit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est inévitable pour tout le monde, vous et moi, on a tous commis l'erreur du péché. Donc, on va aller dans le séjour des morts. Et donc, nous allons le dessiner ensemble. Donc, dans ce séjour des morts, alors, il y a un lieu. Donc, je vais dessiner, voilà, une ligne ici en bas. Et on va dire qu'en bas, là, c'est le séjour des morts, d'accord? Dans le séjour, voilà, des morts. Voilà, c'est là le séjour des morts. Ok? Le séjour des morts, c'est en bas. Voilà, jusqu'à là, vous me suivez, tout le monde... Tout le monde a compris. Donc le séjour des morts, c'est le séjour du repos. C'est le séjour du sommeil dans la Bible. Alors on va regarder ensemble. Après la mort vient le jugement. Donc Romains chapitre 6 verset 23. Donc bien évidemment, le séjour du sommeil, c'est le séjour des morts. C'est le séjour où on va se reposer, je disais, donc pour ceux qui viennent d'arriver. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a la résurrection. Salut à tout le monde, salut tout le monde. Et donc, il y a la résurrection. Alors, la résurrection, Christ en parle. Christ en parle de cette résurrection. Voilà, donc c'est très important. Il dit en Matthieu, voilà, dans le livre de Matthieu, il nous parle de cette résurrection. Il dit que il nous ressuscitera au dernier jour. Et Jean 6, 40, le Seigneur, il dit, et je vous, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, la première mort, avant cela, il y a une première mort. La première mort, c'est ici, là. Voilà. Donc, je vais écrire la première mort. Ok? Vous et moi, on va tous passer par la première mort. Ça s'appelle la mort. C'est le séjour des morts. On va aller dans le sommeil. On va aller reposer. Voilà. Donc, le séjour des morts, la première mort. Voilà, ça c'est la première mort, ok? Jusque là vous me suivez tous. Donc la première mort, c'est celle qu'on va tous passer. Il n'y en a qu'un qui a ressuscité des morts, et c'est celui qu'on connaît tous, c'est Jésus. C'est le seul qui a ressuscité des morts, pour l'instant. Voilà, donc, et nous on va devoir passer par cette étape-là. Par la première mort, on va aller dans le séjour des morts, ok? Vous me suivez là jusqu'à présent, ça va. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'Écriture nous parle d'un lieu terrible. Elle parle d'une résurrection. Attention, elle parle d'une résurrection. Dans Daniel 12, 1 à 2, qu'on va lire maintenant. Daniel 12, 1 à 2. On va lire Daniel 12, 1 à 2. On parle d'une résurrection. Même dans le livre de Daniel, dans la Torah, qui était avant l'évangile, bien sûr. Donc, salut à tout le monde. Donc, dans la Torah, on va lire dans Daniel 12, avant de pouvoir se pencher sur la question de ce lieu-là, du lac de feu qu'on appelle aussi, que les êtres humains appellent aussi enfer. C'est un mot qui n'existe pas, enfer, dans la Bible, mais lac de feu, GN. Hein, ou voilà, ou le feu éternel, c'est des mots qui qualifient donc ce lieu-là, justement. Qu'on dit que c'est le lieu de l'enfer. Donc, voilà, donc on va aller dans Daniel. Daniel, je vous lis Daniel maintenant. Un livre qui est aussi vraiment magnifique, Daniel, hein, c'est le prophète Daniel. Donc, c'est, voilà. Et l'ange lui révèle beaucoup de choses dans ce livre, amen. Donc voilà, donc on va lire Daniel 12. Daniel 12, le verset, je disais, voilà, je vais vous lire pour vous.
verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Vous voyez? Donc là, c'est la première mort. Ils vont dormir, les gens. Vous et moi, quand on va passer de l'autre côté, on va dormir. Ok? Jusque-là, ça va. Donc, je poursuis. Alors, ils dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront. Donc là, il y a un réveil, c'est-à-dire qu'il y a une résurrection. N'est-ce pas? Comme dit Jean 6, 40, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, attention. Alors, il y a une résurrection. Donc, il lui dit quoi? Alors, la résurrection. Ils dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, on voit ici deux catégories que j'avais citées. Bref, j'avais cité ces deux catégories-là pour la honte éternelle. Donc, nous allons parler pour la honte éternelle ici. Parce que là, on parle de celui qui s'appelle le lac de feu. Ou autrement dit, d'autres qui l'appellent encore l'enfer. Bon, même si le mot enfer n'apparaît pas dans la Bible, le lac de feu, la géhenne ou le feu éternel, voilà. Donc, il y a celui-là, c'est un lieu de honte. Alors, là, on parle de cette résurrection, et malheureusement, pour un lieu qui s'appelle le lac de feu, par exemple. Le lac de feu, ok? Ou le feu éternel, comme vous voulez. Donc, on va mettre... Bon, on va dessiner une flamme, voilà. On va dessiner une flamme. Ok, on va dessiner une flamme, voilà. Celui-là, eh ben les gens, ils vont y aller pour la honte. Ok? Donc, ils auront la honte, mais éternellement, dans celui-là. Voilà. Éternellement, ils auront la honte. Bon, on va voir encore un autre, les autres approches. Donc là, on voit qu'il y a une seconde mort. Parce que la première mort, c'est celle-ci. C'est on va aller dans ce lieu-là. On va sommeiller. Et ensuite, on va se réveiller. La Bible dit qu'on va se réveiller. Vous avez lu comme moi, hein? Ils se réveilleront, les personnes. Donc, et ensuite, il y a ce qu'on appelle la seconde mort. La seconde mort, c'est quand tu vas là-dedans. C'est quand tu vas là-dedans, la seconde mort. Eh oui, on va voir tout ça tout de suite, hein? Donc, on va voir. Et la seconde mort, c'est pas drôle. Moi, si je vous parle de celui-là, c'est parce que je veux pas que vous y demeurez. Je veux pas que vous allez dans celui-là. Voilà, vous qui écoutez, auditeurs, je ne veux pas que vous allez dans ce lieu de tourment. Oui, c'est un lieu de tourment. Pour certains, ils disent non, c'est pas un lieu de tourment. On va regarder ensemble ce que dit la Bible. On va regarder ensemble si c'est vraiment un lieu de tourment. Bah, en tout cas, là, il y a la honte déjà. On subit la honte déjà parce que, voilà, on va voir en détail. Donc, on va lire Apocalypse 20, 10. 20, 10. Dans celui-là, qui c'est qui y va et pourquoi? Bon. Apocalypse 20, 10. On sait que... Alors, Apocalypse 20, 10. On va lire Apocalypse 20, 10. Mais si vous avez une Bible, vraiment prenez-la, vous verrez que c'est vrai ce que je vous dis, hein. Donc, on va lire. Et le diable qui les séduisait. Il séduit qui? Ben, il nous séduit nous, il séduit la terre. Il séduit les êtres humains. Donc, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc on lit quoi? On lit que dans ce séjour-là, qui est le lac de feu, donc, voilà, il y a quoi? Alors on va répéter à nouveau, pour les auditeurs qui viennent d'arriver peut-être. On va répéter, hein, dans le verset 10, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va lire. Il fut jeté dans l'étang de soufre, l'étang de feu et de soufre, où la couette, ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans celui-là? Il y a la honte éternelle et il y a le tourment. Ils vont être tourmentés, voilà. Tourmentés, voilà. Et on va être tourmentés. Donc, il y a la honte et on va être tourmentés au siècle des siècles. Avec le diable et ses anges. Parce que le diable et ses anges, c'est ceux qui ont désobéi à Dieu et qui ont commis ben, le péché, les premiers. Donc, et ils vont aller dans le lieu-là. Ils vont être dans le lieu-là. Donc, on va pas extrapoler, je vais rester dans le sujet. Donc, il y a le tourment et il y a, donc, je le disais, la honte éternelle et le tourment éternel au siècle des siècles. Donc, Apocalypse 24, je vais aller un peu plus loin encore. Il est dit, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. La mort et le séjour des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui étaient là, ils vont être jetés dans les... Tous ceux qui n'ont pas obéi. On va voir ça tout de suite, on va voir ça, hein, dans le détail, donc. Donc, le verset 14, il est dit quoi? Je répète... Puis la mort et le séjour des morts, c'est le furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc il y a une première mort, on l'a vu, la première mort. La première mort, c'est celle-là, tout le monde. C'est l'attente, c'est le sommeil. Et la seconde mort, c'est la deuxième. C'est celle-là.
tous ceux qui n'ont pas obéi au Seigneur, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, Yeshua comme sauveur, ils vont malheureusement être punis à cause de cette malédiction qui est le péché. Et ils vont aller dans ce lieu-là, dans ce lieu de tourment. Donc, je sais, c'est pas amusant ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Un lieu de tourment, un lieu qui est au siècle des siècles de tourment et de honte éternelle. Donc c'est pas un lieu qui est amusant, et vraiment vous devez en prendre conscience, vous qui écoutez, auditeurs, absolument. Le Créateur, le Dieu vivant, ne désire que vous n'allez pas dans ce lieu-là. Il ne désire pas que vous allez dans ce lieu-là. Il désire que tous les hommes soient sauvés, lui. Mais l'homme, il a un choix à prendre. La femme, elle a un choix à prendre. Une décision à prendre dans sa vie. C'est ça le problème, comprenez? Donc c'est à vous de choisir si vous voulez aller avec le Seigneur ou si vous voulez aller dans ce lieu-là, qui est de honte et de tourment éternel. Voilà. Un tourment, c'est ce que c'est un tourment, c'est on souffre. Hein? Donc au siècle des siècles. Donc ce lieu-là, à la base, il est réservé pour le diable. Hein? Voilà. Et Dieu ne veut pas que vous allez dans ce lieu-là. Il ne veut pas que vous y allez. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il est un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, un Dieu qui donne un message pour sauver l'humanité au travers du Messie, Jésus-Christ, Yeshua. Donc c'est très important. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Je le souligne encore une fois parce que beaucoup ne le savent pas. Hein. Attendez un instant, un petit instant. Voilà, j'allume la lumière juste parce qu'on ne voit plus très bien. Voilà, donc je disais, nous allons poursuivre dans cette... Dans cette profondeur de l'éclaircissement par rapport à ce lieu-là. On va poursuivre encore dans le verset 15 où il disait que les quoi ? Quiconque, donc là on parle de tous les êtres humains sur la terre, hein, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Donc ce lieu-là qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a qualifié. Hein. Voilà, lac de feu, étang de feu, feu éternel, géhenne. Appelez-le comme vous voulez. Enfer, ça n'existe pas dans la Bible, mais c'est pas grave, vous pouvez dire enfer, si vous avez envie, vous pouvez dire enfer. Donc, ça, c'est ce lieu-là. Voilà, ça, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, ils prennent part à la seconde mort, ici, là. Voilà, ils vont dans le lieu-là. Donc, moi, je ne veux pas que vous ayez dans ce lieu-là. Il est réel, il existe, la Bible, elle en parle. C'est un lieu, vraiment, où il y a le tourment éternel au siècle des siècles, où il y a la honte éternelle, dans ce lieu-là. Donc, vraiment... C'est vraiment, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour que voilà, pour que vous compreniez que Christ, Yeshua, donc Jésus est vraiment le sauveur du monde. Parce qu'il épargne les gens, tous les êtres humains, il les épargne de ce lieu-là. S'ils acceptent le sauveur Jésus, Yeshua. Parce qu'à la croix, il a ôté le péché du monde, il est venu pour nous, pour effacer le péché qui nous condamne. Donc vraiment, c'est très important. Le verset 21 de l'Apocalypse, toujours 21:8, on va lire. Par la suite, ce qui se passe, on va lire un petit peu. Alors là, il qualifie tous les types de personnes qui n'ont pas encore malheureusement reçu le Messie, qui ne sont pas repentis. Il dit quoi ? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort, à nouveau, encore une fois. Ce qui est la seconde mort. Donc, vous comprenez ? Je ne sais pas si vous avez bien compris. La première mort, c'est là. On va dans le séjour. On dort. Ça, c'est la première mort. On dort. Allez, après, à la résurrection. Voilà. Et si toi, tu n'es pas inscrit dans le livre de l'agneau, dans le livre de Jésus, dans le livre de vie, tu vas dans ce lieu-là. Ça, c'est la seconde mort. C'est la deuxième. La deuxième mort. Et la mort-là, c'est une souffrance. C'est un tourment. C'est un lieu de tourment. Donc, si maintenant vous dites non, c'est pas un lieu de tourment, c'est un menteur. C'est un menteur. Parce que la Bible, elle le dit. Elle le dit. Apocalypse 20:10. Je vais relire le passage à nouveau, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas l'écriture malheureusement. Apocalypse 20:10, il est dit quoi ? Le diable qui les séduisait, donc le diable il séduit toute la terre, parce que lui il va aller dans le lieu là, vous l'avez lu un instant. Le diable il va aller dans ce lieu là, dans le lieu là de tourment, au siècle des siècles. Il va aller dans le lieu là, donc le diable ce qu'il veut, c'est que vous auditeurs, vous puissiez le suivre lui. Parce que lui, il est en colère. La Bible elle dit qu'il est en colère. Parce qu'il sait que vous, vous pouvez venir au Messie, au Sauveur Jésus, Yeshua, qui sauve le monde, qui épargne ce lieu-là, qui donne la vie éternelle. Mais lui, il ne peut pas. Lui, il ne peut pas. Parce que lui, c'est lui qui a ramené ce foutoir. C'est lui qui a ramené ce cirque-là avec le péché. Donc, c'est lui qui va aller en premier avec ses anges. Mais si vous ne voulez pas suivre, malheureusement, le Sauveur qui est venu pour vous, vous allez aller avec le diable. Et lui, il veut que tout le monde soit séduit, le diable. Donc la séduction c'est quoi ? C'est pour vous empêcher d'aller dans ce lieu-là. Voilà, qui est le paradis, qui est le royaume de Dieu. Mais lui il veut vous ramener où ? Il veut vous ramener dans ce lieu-là. Le diable il veut vous ramener dans ce lieu-là avec lui.
Donc, si maintenant vous acceptez pas le Messie, vous allez aller dans le lieu de tourment, au siècle des siècles. Vraiment, c'est très grave, hein, c'est très très grave. Hein, c'est, je pèse mes mots, c'est un lieu de tourment. Vraiment. Donc, il y a donc cette seconde mort là. C'est une deuxième mort qui est là, dans la souffrance que je viens de vous citer. Donc, dans le tourment. Donc, Apocalypse 21:8, je lis le passage. Donc, toutes ces catégories-là, ils vont dans l'étang de feu. Voilà, l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous avez vu? Donc, c'est le même lieu. Hein. C'est, il y a le soufre dedans, il y a le tourment éternel. Donc, moi, je veux personnellement que vous n'allez pas dans ce lieu-là. Vraiment, si je fais cette vidéo, je prends sur moi. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent, qui vont me voir. Hein, c'est pas un problème, ça, j'ai l'habitude. Hein. Voilà, donc, Marc 9:48. On va lire Marc 9:48. Là, c'est très sérieux. Attention. Marc 9:48, il est dit quoi? Voilà, donc je vous lis Marc 9:48. Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. On parle de ce lieu-là. Vous comprenez? Ce lieu de tourment là. Ce lieu de tourment ici là. Les vers, ils s'éteignent pas, ils ne meurent pas. Et le feu ne s'éteint point. C'est au siècle des siècles. C'est pas de la blague. Quand ici, on vous parle au siècle des siècles. C'est vraiment au siècle des siècles. Là, le tourment, c'est au siècle des siècles. Alors, quand Christ dit ça, il déconne pas, il dit la vérité. Parce que là, vraiment, c'est au siècle des siècles. Ça ne s'éteint pas. Vous entendez, auditeur? Le feu ne s'éteint pas. Donc, et les vers, non plus. Ils ne meurent pas. Donc, c'est un lieu vraiment terrible. Donc, je lis Marc 9:48. C'est pas une image, c'est un lieu qui existe vraiment que... À la résurrection, sur la seconde mort, les gens qui n'ont pas accepté le Messie, avec le diable, vont devoir aller. S'ils n'acceptent pas le Messie, je dis bien Jésus, Yeshua donc. Donc, 48, il est dit, je répète, Marc 9, notez bien, Marc 9:48, je répète ce lieu-là, comment que ça se déroule, hein, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Voilà. Tom sera salé de feu. Dans celui-là, ce sera un lieu de tourment, un lieu où vraiment ce sera au siècle des siècles. Attention. Donc, maintenant, la seconde chose qu'il y a, c'est quoi? Jude 1:23. On va lire Jude 1:23 ensemble. Encore une fois, un détail qui est surprenant, qui est vraiment intéressant aussi. Donc, dans le livre de Jude, Jude 1:23, on va lire ensemble. Excusez-moi, donc, on va lire Jude 1:23. Je vous lis, voilà, donc, il est dit quoi? Dieu attend, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, la miséricorde, c'est-à-dire que Dieu y pardonne. Ceux qui viennent à Jésus-Christ, à Yeshua, à Mashiach, Dieu y pardonne. Mais, qu'est-ce qui se passe après? Reprenez les uns les autres qui contestent. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une piété mêlée de crainte. Voilà. Bon, on a lu ici quoi? On a lu ici quelque chose d'important. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a ce feu là. On parle encore de ce feu là, où le diable et ses anges, ils vont aller au siècle des siècles pour être tourmentés. C'est un lieu réel. Je vais encore approfondir davantage. Donc moi, cette vidéo là je l'ai fait vraiment pour vous dire, auditeurs, c'est vraiment pas de la blague. Vous pouvez aujourd'hui être arraché du feu éternel, du tourment éternel au siècle des siècles. Vous pouvez éviter ce lieu là aujourd'hui. Vous avez la possibilité maintenant. Vous m'entendez? Vous avez la possibilité maintenant. C'est gratuit. C'est accepter le Messie Christ dans votre cœur. Le Messie Christ, il a dit, c'est celui qui croira en moi. Marc 16:16, il a dit, qui croit en moi et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, ben, il sera condamné. Il sera condamné là. Ouais. Voilà. Donc, là, vous allez aller dans le séjour. Vous dites, il n'y a rien. Après, il n'y a plus rien. Non, c'est faux. Après, il y a une résurrection. Et après, il y a la seconde mort. Donc, si vous allez dans la seconde mort, ben, c'est le tourment éternel, c'est la honte éternelle. Malheureusement pour vous. Et je ne vous le souhaite pas. Et Dieu non plus. Dieu ne souhaite ça à personne. Hein. Qu'on arrête de mentir, de dire que voilà, Dieu ne souhaite ça à personne. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui veut que tous les hommes soient sauvés. Seulement il y a celui-là.
Voilà, le problème, c'est ça le problème. Donc, vous devez choisir votre, voilà, votre directive maintenant, dans votre l'éternité que vous voulez passer avec Dieu. Très important. C'est plus important que votre vie physique là, que vous vivez, qui est éphémère, qui passera et qui, voilà, et c'est, après c'est fini. Hein. Là, c'est éternel. Là, on parle de choses éternelles. Là, on est en train de parler de choses éternelles. Très attention, c'est plus important, quoi. Donc, alors maintenant, on va encore lire autre chose. Toujours dans ce contexte, donc, il y a le séjour des morts, je disais. Et il y a le lieu de tourment, donc l'étang de feu. Donc on a lu qu'il fallait aller dans ce livre-là, être inscrit dans ce livre-là, n'est-ce pas? Donc l'étang de feu, voilà. Ça, c'est l'étang de feu. Hein, ou le feu éternel, voilà, ou le feu éternel. Donc vous allez aller dans le séjour des morts. Hein, donc tout homme va aller sommier dans le séjour des morts. Il n'y en a qu'un qui est ressuscité, c'est Jésus. Donc tous les autres, ils vont aller là. Après, il y aura une résurrection. Dans ce lieu-là, pour ceux qui n'auront pas accepté le Messie Jésus-Christ, Yeshua. Donc, malheureusement, je vous invite, auditeurs, à aller dans la bonne direction. Allez dans la bonne direction, je vous en prie. Allez dans la direction du Seigneur, au travers du Christ qui efface vos péchés. À la croix, il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour vous condamner. Il est venu pour sauver l'humanité. C'est Yeshua, son nom, c'est Dieu sauve. Et Dieu est venu sauver au travers de son Fils. Il est venu pour sauver l'humanité. C'est important, vraiment. Je répète ces choses-là, c'est vraiment très important. Donc, on va lire dans Matthieu 25, 41, ensemble, dans ce lieu-là que je viens de citer. Est-ce que Jésus en parle, encore une fois? Bien sûr qu'il en parle. Et il avertit toujours. Il avertit toujours. Hein? Matthieu 25, 41. Donc, ce lieu est réel, ce lieu existe, je vous l'ai montré. Et le diable va aller au siècle des siècles dans ce lieu-là. Donc, Matthieu 25, 41, il va dire ceci. « Retirez-vous de moi, maudit. » Aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel, on l'a lu tout à l'heure dans Marc, hein, je lis le livre de Marc tout à l'heure, voilà, où j'ai énuméré ce passage très important, où il dit que le feu ne s'éteint point. Donc c'est un lieu qui est réel. Marc 9, 48, le feu ne s'éteint point dans celui-là. Est-ce que vous comprenez, auditeur? Vraiment, il faut vraiment que vous acceptiez le Seigneur. C'est pas de la blague, je suis pas en train de blaguer. C'est écrit dans la Bible, c'est quelque chose qui va vraiment avoir lieu. Donc vraiment, si vous voulez être épargné de ce lieu-là, je vous en conjure, je vous en supplie. Vraiment, si vous voulez être épargné du lieu de tourment. Parce que Dieu ne veut pas que vous êtes dans ce lieu-là. C'est pas prévu normalement pour l'être humain. C'était prévu pour le diable et ses anges. Mais comme le diable et ses anges, ils ont ramené la malédiction sur la terre. Ils ont corrompu la terre. Ils ont ramené ce péché-là. Et bien aujourd'hui, pour effacer ce péché, et bien pour venir dans le lieu qui s'appelle le paradis, le royaume de Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. C'est lui qui ôte le péché. C'est lui qui a les clés du ciel. Vous comprenez? Il a les clés du séjour des morts. C'est lui qui va. Jean 6, 40. Hein? Quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Je le ressusciterai, Jésus a dit. Yeshua a dit, je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est Yeshua, c'est Jésus qui va ressusciter au dernier jour. Vous comprenez? C'est lui qui a les clés du séjour des morts. C'est lui qui a les clés du séjour des morts. On va le lire. Le séjour des morts, c'est la première mort, ça. Après, il y a la seconde mort. Donc, c'est ce lieu-là, le tourment, dont personne ne veut que vous allez. Hein, bien sûr, moi-même, je ne veux pas que vous y allez non plus. Et Dieu non plus ne veut pas que vous y allez. Vraiment, réalisez vraiment cela, je vous en prie. Réalisez vraiment cette vidéo. Donc, voilà, donc, nous allons lire Apocalypse 23. Toujours Apocalypse 23. Donc, je vais reprendre le livre d'Apocalypse. Donc, Apocalypse 23, voici ce qui est écrit. Je vous lis ce qui est écrit. La mer, leur dit, mort et les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts, hein, rendirent les morts qui étaient en eux. Ça veut dire que dans le séjour des morts, eh ben, il y a des morts. Il y a les gens qui n'ont pas, voilà, ceux qui ont accepté, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ils sont là. Voilà. Voilà. Ils sont là, ils sont tous là. Hein, dans ce séjour-là, c'est cette première mort-là. Hein, dans le séjour des morts, donc. Et qu'est-ce qui est écrit? On va le lire, on va le lire. Bon, Apocalypse 23. Donc, ils rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, tout être humain, là, imaginez-vous un petit peu. Vous imaginez un petit peu comment ça va être. Ça va pas être de la rigolade. Mais le Seigneur, il a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il ne passe pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Attention, quand on est avec le Christ, ça ne veut pas dire, voilà, je suis avec le Christ, je peux faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire ça, attention, hein, attention. Je ne dis pas ça, attention. Vraiment, nous devons marcher avec le Seigneur, être honnête. Hein. Faut pas être hypocrite, faut être honnête avec Dieu, et avec le Seigneur, et avec le Fils de Dieu, avec notre Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ. Il faut être honnête.
Voilà, faut vraiment être franc avec lui. Faut donner sa vie, faut s'engager avec lui dans l'eau du baptême. C'est un engagement de bonne conscience devant Dieu. Voilà, c'est très important. Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Amen. C'est un engagement. Pour moi, c'est très très important. Cet engagement-là est très important devant Dieu. Faut pas croire. Voilà. Donc, je disais voilà, quand on fait un engagement, c'est sérieux, hein, n'est-ce pas? Donc, Acte 2:31. On va lire Acte 2:31. Toujours dans l'écriture, donc Acte 2:31. Voilà, vraiment, c'est un message pour vraiment éveiller votre conscience, vous qui écoutez auditeur. C'est important de réaliser ce lieu-là est réel, quoi. C'est pas juste une image ou non, c'est vraiment un lieu de tourment où le feu ne s'éteint point, où les vers ne meurent point, et où vraiment il y a le tourment éternel, la honte éternelle dans ce lieu-là. On a lu. Hein. Vous pouvez regarder en arrière, vous le verrez. Et là, c'est en direct, ce sera en différé, bien sûr. Donc Acte 2:31. Donc, je vous lis Acte 2:31. Il est dit ceci. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, là, on voit la première mort. Donc, le Christ, lui, c'est le seul qui est descendu dans celui-là et qui est ressuscité. Voilà, il est ressuscité. Voilà, c'est le seul. Tout le monde là, vous et moi, on va aller là. Est-ce que vous comprenez? C'est pas compliqué, hein. On va tous aller là. Donc, et après, il y a le lieu là que je vous ai parlé. Que Dieu ne veut pas que vous allez. Dieu ne veut pas. Il veut pas ça. Il veut pas ça pour vous. Il veut pas ça pour vous. Donc vraiment, faites le choix. Ça vous coûte rien. C'est gratuit. D'accepter ce sauveur là qui est venu pour vous à la croix pour effacer vos péchés. Il est venu pour vous, pour moi, pour tous les êtres humains. Il est venu pour effacer cette malédiction, pour la détruire et pour que votre vie soit une vie de bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vraiment. Donc on va lire Jean 11:25. Jean 11:25, hein. Donc Jean 11:25. Alors Jean 11:25, je vous lis le livre de Jean, chapitre 11, verset 25. Voici ce qui est écrit. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Attention, il dit quoi? Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça veut dire quoi? Même si vous allez passer là-dedans, vous allez vivre après. Vous allez vivre après, au siècle des siècles, mais avec Dieu. Dans son royaume, dans son lieu qu'on appelle le paradis. Pas moi qui le dis. Hein. Donc, c'est la Bible. Je vais lire encore une fois. Pour ceux qui sont perplexes, pour ceux qui ont des doutes, on va prendre Matthieu de nouveau le chapitre 25. J'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais c'est pas grave, il faut refaire quand même. Hein. Donc, 25, le verset, nous allons lire la résurrection donc, et le jugement, donc, et ceux qui acceptent le Seigneur. Amen. Alors, 25, il dit quoi? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, le paradis. Donc, là, c'est pour ceux qui ont accepté le Messie. Attention, qu'on ne se trompe pas. Hein. Qu'on ne se trompe pas. C'est lui qui est la résurrection et la vie. C'est ce Jésus-là que beaucoup calomnient, que beaucoup... voilà. Hein, c'est lui-là qui donne la vie. C'est pas moi, c'est pas quelqu'un que vous suivez là sur Internet qui va vous donner la vie. C'est Jésus qui vous donne la vie. C'est Yeshua. C'est lui, c'est Dieu qui sauve. Au travers de lui, son Fils, Dieu l'a sauvé l'humanité. Donc c'est lui qui sauve. Faites attention. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Vraiment, c'est le Messie qui vous sauve. Il faut l'accepter dans votre cœur, dans votre vie. Il faut vraiment faire ce choix-là personnel d'aller vers lui, de se demander pardon à Dieu, de se repentir, de s'engager avec lui. Hein. Ce n'est pas parce que vous suivez un gourou là que voilà, vous êtes sauvé. Non, non, c'est le Messie que vous devez sauver. C'est lui qui vous sauve. Hein. C'est le Messie qui vous sauve. Vous comprenez? Vous avez compris? Donc vraiment, c'est important. Voilà, donc je vous disais qu'il y a ce lieu de tourment là. Hein. Vous avez vu? Donc il y a la seconde mort, il y a la première mort, là, dans le séjour des morts. On attend, c'est un séjour, vous savez comment je suis dans un séjour? Quand je suis dans un séjour, j'attends, je reste pendant un moment dans ce lieu-là. Et après je pars, c'est normal, donc c'est un séjour. Un séjour c'est ça, le séjour des morts. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi c'est le séjour des morts? C'est intéressant quand même, pourquoi c'est le séjour des morts? Parce que c'est un temps qu'on reste là, c'est juste un temps, vous savez? Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand vous dormez, vous allez au lit, vous dormez. Vous êtes dans un sommeil. Mais vous avez vu comme ça passe vite. Les 8 heures que vous avez dormi,
hop, ça a apparu quoi 5 secondes, même pas. Eh bien, quand vous allez dans le séjour des morts, ça va être pareil. Ça va faire... Et vous allez vous réveiller pour la résurrection. Mais là, ce sera trop tard. Hein. Là, vous ne pouvez pas dire, oh, je t'accepte. Maintenant, je vois que c'est vrai, Non, ce sera trop tard. Parce que c'est maintenant, de votre vivant, qu'il faut accepter. Après, c'est trop tard. Donc, ça va faire pareil. Quand vous allez partir, vous allez dire, oh, c'est la fin. Et puis, vous allez vous réveiller de ce séjour-là. Et là, ça va être terrible. Donc, il y a encore une possibilité pour vous, vraiment, qui est gratuite. C'est un don gratuit. Romains 6, 23, le don gratuit de Dieu, de notre Créateur, de notre Elohim, le don gratuit, c'est Yeshua, c'est Jésus. C'est le don gratuit qui vous est offert. Si vous acceptez de le suivre dans votre cœur, si vous le reconnaissez comme votre Sauveur et Seigneur, vous entrez dans le royaume, dans le paradis. Vous y entrez. Seulement, voilà, il faut être sincère. Il ne faut pas dire, voilà, je le suis, et puis je fais n'importe quoi, je vends de la drogue, je fais n'importe quoi. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et certains vont me dire quoi? Ils vont me dire, moi, je n'ai pas péché. Moi, je n'ai rien fait. Mais dans ta vie, tu as commis même un petit péché. Ne serait-ce un tout petit péché. C'est une infraction. C'est une infraction. Que ton infraction, elle soit grosse, qu'elle soit petite, tu vas quand même aller devant le tribunal de Dieu pour ça. Donc, si tu n'es pas blanchi par le sang de l'agneau, par ce Messie-là, par ce Jésus-là, si tu n'es pas avec lui, tu vas répondre de tes actes et tu vas devoir aller dans ce lieu-là. Voilà. Donc, là, tu as commis beaucoup d'erreurs, même si c'est des petites erreurs. Tu me dis, mais non, c'est pas grave, c'est grave quand même. Devant Dieu, c'est même si c'est que mentir, et mentir quand même, c'est mentir. Hein. Si moi, maintenant, je vais voler une tasse de café, eh ben, si on me chope, eh ben, on va me demander des comptes. On va me dire, pourquoi tu as volé la tasse de café? J'ai passé au tribunal. Bon, j'exagère un peu. Hein. Mais voilà, on va me dire, voilà, faut que tu rembourses. C'est normal, sinon tu passes au tribunal. Donc, voilà, c'est pareil. Si tu mens, eh ben, tu vas y aller, quoi. Donc, le seul qui peut épargner ça, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Donc, voilà, donc vraiment, ce lieu, il est réel. Ce lieu, il est réel, c'est un lieu de tourment, on l'a vu. C'est un lieu de honte éternelle, un de tourment éternel, au siècle des siècles. Et voilà, Dieu ne veut pas forcément que vous allez dans ce lieu-là. C'est un Dieu d'amour qu'on a, c'est pas un Dieu méchant. C'est un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui pardonne. Mais il attend votre décision. Il attend votre décision. Alors vraiment, est-ce que vous serez prêt à l'accepter ou pas? C'est à vous de voir, mais moi en tout cas, je vous expliquais le plan de Dieu. Maintenant, c'est à vous de choisir. Vraiment, il y a celui du tourment. Et si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous dire que c'est réel. Hein, quand même pas vous mentir avec des théologies bizarres en vous disant que non, c'est pas le tourment. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? C'est Jésus qui a dit ça dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, hein, Apocalypse 20, 10. Voilà, il va être tourmenté dans ce lieu-là, le diable et ses anges. Donc, et qui c'est qui va y aller? Bah après, on le lit plus loin. Apocalypse 21.8. Voilà, on va reprendre à nouveau parce que il y en a qui ont beaucoup de mal. Il y en a, ils ont beaucoup de mal, vraiment. Oui, mais non, non quoi? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dedans, bon sang. Vous ouvrez votre Bible, vous verrez. Arrêtez d'écouter Charles Taz, Russell ou je sais pas qui, ça sert à rien. Là, c'est écrit là-dedans. C'est écrit là-dedans. Donc, Apocalypse, on va lire Apocalypse. Voilà, je vais à nouveau le lire, à nouveau. Parce que vraiment, on va me dire que je suis un menteur. On va me dire que voilà, Philippe, tu mens, c'est pas vrai ce que tu dis. Voilà, on va me dire des choses comme ça. Donc, Apocalypse 20:15, voilà, 20:15, on va lire, d'accord? Donc, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je sais pas si vous voyez, parce que on va me dire que je suis mauvaise foi, que je suis pas une bonne personne. Voilà. Voilà, c'est écrit là. Voilà, c'est écrit là. C'est pas moi qui l'invente. C'est écrit. Donc, il va être jeté dans le lieu là. Ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Le Christ, c'est lui qui inscrit. Parce qu'il va dire aux apôtres, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Donc, c'est lui qui inscrit. C'est lui qui permet que les gens entrent. C'est le livre de l'agneau. Attention, le livre de vie, et c'est lui qui apporte la vie. On l'a vu. On l'a vu tout à l'heure, Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus qui est la vie, quoi. Donc, c'est pas compliqué. Excusez-moi pour la coupure, voilà. Petite coupure, hein, je m'excuse. Donc voilà, donc je disais, on va reprendre ce qui est écrit. Donc, on a vu que c'est un lieu de l'étang de feu. Voilà. Hein. Et donc, quiconque, c'est tous les êtres humains qui n'ont pas obéi, ils vont être jetés dans le lieu-là. Ok, d'accord. On parle des êtres humains. Donc, et on va reprendre maintenant Apocalypse 20, 10.
un peu avant, juste un peu avant. Et on va voir quoi? On va voir que c'est écrit. Et le diable qui s'est usé fut jeté dans l'étang de feu, ce même lieu-là. Hein? C'est le même lieu, c'est le même lieu. C'est le même lieu que le diable vivant. L'étang de feu. Donc, il s'écrit quoi? Ils seront tourmentés. Hein? Jour et nuit, au siècle des siècles. Voilà, voilà. Donc, c'est écrit. Voilà. Quand elle va me dire, voilà, Philippe, c'est pas vrai. Voilà. Ils sont quoi là? Ils sont quoi? Ils sont tourmentés. Non? Voilà. Donc, comme ça, c'est éclairci, le point de vue-là est éclairci. Donc, vraiment, Dieu ne veut pas que vous soyez tourmentés. Il veut pas ça. Il veut pas ça pour vous. Donc, et on va voir maintenant que, effectivement, c'est vrai. Dans Matthieu 25, je vous disais tout à l'heure. Hein, voilà. Matthieu 25. Donc, le verset 41. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et c'est vrai. Hein? Et voilà, Matthieu 25. Pour le diable et pour ses anges. Et on voit que dans le verset 10, que j'ai lu tout à l'heure, hein, le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu. C'est vrai. Apocalypse 20, c'est vrai. Il va être jeté dedans. Et il va dire quoi dans Matthieu 25, 41? À ceux qui n'ont pas accepté de suivre le Messie, qui ont fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, il va leur dire quoi? Allez dans celui-là maintenant avec le diable et ses anges. Donc voilà, donc c'est un lieu réel, c'est un lieu réel, on blague pas là, c'est vraiment sérieux. Alors voilà, auditeurs qui écoutaient ce message, vraiment, voilà, je vous invite tous, qui que vous soyez, peu importe, à venir au Messie, c'est là qui est la vérité. Voilà, méfiez-vous des gens qui viennent vous voir et qui vous disent voilà, moi j'ai la vérité, blablabla. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Apocalypse 19, 13 dans la Bible. Jésus, Yeshua, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est ce Jésus-là. C'est Yeshua qui est la parole de Dieu et qui est la vérité absolue. Dont vous ne devez pas remettre en question. Je dis bien, dont vous ne devez pas remettre en question. Donc, si vous ne remettez pas en question ce que ce Jésus, ce Yeshua dit dans la Bible, il dit clairement que celui existe. Voilà. Un lieu de tourment. Un lieu où le diable et ses anges vont être jetés.